à plusieurs reprises, ce sont bien les alertes du GIEC qui ont été celles qui ont rappelé qu'il faut continuer à s'occuper de ce dossier, qui ont parfois sauvé les négociations. Quand Bush Junior a voulu contester, il est allé voir ses collègues de l'Académie des sciences américaines, qui en fait étaient les mêmes qui avaient écrit plus ou moins le rapport du GIEC. Donc de ce point de vue-là, ça a été très très important. Nous, de notre côté, ce qui est important, c'est que nos rapports montrent qu'on n'a pas besoin de décroissance absolue dans le monde pour contrôler les émissions. Donc de ce point de vue-là, ça joue un rôle. Est-ce qu'on devrait avoir un rôle plus précis? Je n'en suis pas sûr, parce qu'il y a une sacrée distance entre ce qu'on peut dire là et la réalité des politiques que dans chaque pays. Donc moi, bien sûr, en titre du groupe 3, donc sur l'économie, je peux espérer qu'à l'avenir, ce qu'on raconte, ce qu'on dit, soit plus écouté, soit plus porté sur la place publique. Mais ça joue un rôle, oui. Ça, c'est clair. C'est uniquement de l'ordre du constat ou il y a des recommandations dans les rapports du GIEC? Alors, nous sommes interdits de faire des recommandations. C'est interdit. Ça vous brûle les lèvres. Vous auriez envie de pouvoir recommander. Oui, alors non. Alors attendez. Moi, je suis très content en tant que personne, en tant que chercheur, de dire si vous me demandez mon avis sur la taxe carbone, je peux vous le donner. Mais je crois qu'il est très utile, en fonction de ce qu'a dit Hervé, pour toute la société, de garder ce moment de scientifique où on dit attends, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. J'ai dû, moi, il y a longtemps, j'ai fait 3 pages qui m'ont coûté des heures de négociation pour faire en commun avec un collègue américain 3 pages sur les taxes carbone. Et bien, ça, c'est important. C'est-à-dire que lui était plutôt contre, moi pour. Mais on écrit ensemble des choses pour les gens. Et ça, c'est par rapport à ce que tu disais pour la démocratie, c'est très important. Et une seule phrase, parce que ça fait lien avec ce qu'a dit madame, il y a un truc que je n'ai pas dit cette fois-ci, je commence toujours comme ça, je ne l'ai pas fait là, mais pourquoi je rappelle toujours l'origine Bush-Thatcher? C'est que dans les médias, l'affaire climat, c'est devenu souvent, pour certains, une manipulation d'écologistes. Et le GIEC aussi. Et ça allègre à marcher comme ça. Historiquement, c'est faux. C'est tout. C'est historiquement faux. C'est Bush et Thatcher qui ont mis le dossier sur la place publique. C'est pas les écolos. Pour le GIEC, c'est pareil. Hein. Le GIEC, c'est un mouvement de scientifiques. Bien sûr, attendez, faut être clair. Si on s'occupe de ça, ça veut dire que les problèmes d'environnement, ça nous concerne. Évidemment. Mais notre posture à nous est de rester scientifique et non pas d'être manipulé par quelques tendances.